Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle pause créative. J'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux évidemment qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Babette. J'habite dans les Hauts-de-France. Je suis démonstratrice depuis bien des années déjà. Et écoutez, voilà, vous vous retrouvez sur la page de Colimage. Merci Marie-France, oui, bonne fête à toutes les mamans qui passent et qui passeront. C'est le jour de la fête des mamans, donc que vous soyez le gâté au maximum, toutes et chacune en particulier. Donc je vous fais plein de gros bisous de fête des mères. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire ce que j'appelle une carte blanche. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé qu'avec du blanc, essentiellement à 99,9%. C'est des motifs que je retrouve souvent chez des démonstratrices allemandes et je dois dire que ça m'a toujours fait craquer. Alors, je vais vous montrer comment je suis partie pour faire ce projet. Alors, j'ai commencé par faire un projet, mais ça ne m'a pas plu. Il a fallu que je trouve un truc, barbatruc. Voilà. Donc j'avais commencé par ceci, c'est sympa, mais ça ne correspondait pas à ce que je recherchais. Je voulais quelque chose qui se voit un petit peu plus. Donc vous voyez, là on voit un peu plus les ombres et c'est ce qui donne du relief à la carte. Voilà, allez, on y va. Alors, on va avoir besoin de papier cartonné qui fait 14,8 par 21. Ça va être notre base de carte. Donc on va le faire tout de suite. On va tout de suite plier sa carte en faisant attention à bien mettre les coins où il faut. Alors j'espère qu'en ce beau jour de fête des mères, vous allez bien, que vous allez être gâtés, que vous allez voir vos enfants et petits-enfants pour passer de tendres moments maintenant qu'on peut se retrouver un petit peu plus ensemble. Donc voilà, ma base de carte est faite. Je vous ai fait aussi un petit tuto récapitulatif pour celles qui prendraient en cours ou qui regarderaient en replay. Ça vous permet, si vous voulez la refaire, de faire pause et de pouvoir reprendre toutes les mesures. Donc ma base de carte est faite. Salut Sylvie, bonjour, bonjour. Alors, ma base, je l'ai pliée. Maintenant, je vais avoir besoin d'un devant de carte, ce que j'appelle le devant. Le devant, je l'ai voulu plus court que ce qu'on fait d'habitude. Je voulais qu'il y ait un espace un peu plus grand entre le devant et la base de carte. Donc, j'ai pris un morceau de papier cartonné qui fait 9,5 par 13,8. Et là, on va le passer au plioir à gaufrage. Alors, moi, j'ai utilisé celui-ci qui s'appelle Écorce. On ne voit pas trop, trop bien sur l'image, mais voyez, je vais vous le montrer. Ça fait vraiment comme des écorces. C'est ce qui va donner un petit peu de relief. C'est ce qui est sympa. Donc, alors, pour utiliser Madame la Big Shot, je vais enlever ça et je vais prendre la demoiselle. Voilà, la grosse mémère. Voilà. Alors, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin que de ça. Hop. Alors, comme vous le voyez, il est assez large. Donc, vous pouvez soit l'utiliser dans ce sens-là pour donner de la hauteur à votre projet, ou alors dans ce sens-là. Moi, j'ai préféré l'utiliser dans ce sens, de façon à avoir les lignes qui soient un peu plus verticales. Oh, salut Émilie, quel plaisir de te voir, de savoir que tu es là. J'espère que tu vas bien. Oh, faudrait qu'on se téléphone, ma chérie. Oh, ça fait tellement longtemps. Oh là 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 là. Donc voilà, je mets mon plioir et c'est parti. Allez, on va. Voilà, ici, hop, j'entraîne et on passe au plioir. Voilà. Et donc, quand vous le sortez du plioir, vous avez ceci.
C'est franchement, il rend super bien celui-là. Entre celui-là et le plâtré, c'est très sympa. On va pas la laisser trop loin, parce qu'on va en avoir besoin. C'est ouais, bonne fête à toi aussi. Voilà, c'est ce qui va venir ici après. Maintenant, on va utiliser comment dire, les découpes qui vont avec le set de tampons qu'on avait déjà utilisé. Le set de tampons qui s'appelle Quiétude Champêtre. Donc, il a des petits. On avait déjà vu ces petites choses-là, qui sont des petits mots qui sont sympas. Mais surtout, les découpes sont juste géniales. Elles sont superbes. Vous avez des fleurs dans tous les sens, des feuillages. Et ce que j'ai découvert en préparant, c'est qu'il y a même des petits papillons. Là, vous avez une petite étiquette qui permet de mettre le mot amour. Ça peut servir, on ne sait jamais de temps en temps, hein. Et là, cette étiquette-là permet de remettre ces mots-là. Donc, je range ma feuille de présentation. Je prends mes découpes. Et comme on a, comment dire, je vais utiliser aujourd'hui la grosse Big Shot. On va pouvoir utiliser une feuille de papier cartonné et on va pouvoir mettre tout dessus. Alors, je vais utiliser moi il y a le feuillage comme ça. Ce feuillage qui rend super bien. Voilà, celui-là. On va mettre ça au milieu. Alors attendez, celle-là elle est belle. Hop. On va mettre celle-là. Alors on va les mettre en quinconce pour qu'elle rentre au maximum. Et celle-ci. Comme ça, vous voyez, elle rentre toute dans ma page, qui est une chute de papier, hein, tout simplement. Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets toujours mes. Enfin, dès que je peux, je mets mes poinçons sur du papier magnétique. Ce qui permet qu'elle n'aille pas trop se balader. Parce que c'est des petites choses qui sont assez voyageuses. Voilà. Alors, la Big Shot. Et là, on va avoir besoin de toutes les plaques. Donc, j'ai mes plaques. Je remets ma plaque de base. Voilà. Je mets dessus. Alors là, j'ai de la place. Normalement, ça ne devrait pas bouger. Voilà. J'espère que. Là, le soleil se lève par chez moi. Il était un peu flemmard ce matin. J'ai la grasse patte. J'espère que chez vous, il fait aussi beau. Parce que c'est vrai que on avait besoin de lumière et de soleil. Alors, sincèrement, je trouve que les nouvelles découpes, alors est-ce que c'est la nouvelle machine ou les nouvelles découpes? Avant, on était obligé des fois de faire deux ou trois tours, alors que là, en un seul tour, on a tout découpé. C'est quand même assez agréable. Au revoir, mademoiselle. Donc voilà les découpes. Hop. Et maintenant, bah, ce qu'il va falloir, c'est retirer les petits papiers qui sont en trop. Voilà. Hein. Hop. Mais elles se défendent aujourd'hui. Ils n'ont pas envie de travailler, c'est juste dimanche, on ne travaille pas. Voilà. Elles sont coquines quand même. Hop. Là, ah. Il doit y avoir un pli sur mes plaques. Alors, on va retirer ce qui est en trop. Alors, avec l'outil touche à tout, on enlève ça. Qu'on n'a pas besoin. On enlève ça. Là, une.
Il faut vraiment ces fleurs champêtres de toute beauté. J'espère que, je sais pas si vous aviez repéré aussi, mais alors on utilise les petits trous qui sont derrière pour pouvoir dégager le papier qui est dedans, et avec l'outil on vient finir de retirer délicatement. On se croirait vraiment dans une prairie. Oh là là. Alors là, il y a encore des petites... Vous voyez comme c'est délicat. Un vrai champ de fleurs. Voilà. 1, 2, 3, je les ai. Allez. Alors, c'est pareil. Si vous gardez ça, éventuellement, ça peut vous servir aussi de pochoir. Celle-là, moi, parce qu'elle est coupée, mais vous pourriez vous en servir de pochoir. Allez, je nettoie un petit peu ma table. Voilà. On remet un petit papier pour faire le collage. Parce qu'on est déjà au collage, vous rendez-vous compte. Là, j'ai une petite découpe à faire. Qui n'a pas été assez précise. Alors, une petite précision, j'ai réussi à mettre j'ai modifié la confidentialité sur cette page qui va vous permettre à toutes celles qui ont la gentillesse de faire de reprendre les projets que je propose, de pouvoir poster leur réalisation directement. Je pense que normalement, ça devrait aller. Alors, là, on va positionner notre bouquet fleuri pour avant de le coller pour de vrai. Voilà, ça devrait être pas mal. Celle-là, elle est grande, elle va aller en haut. Voilà, et celle-ci, elle devrait être sur le côté. Alors, si vous voulez pas trop de relief, comme ma première, proposition, vous pouvez coller directement. Sinon, ben, y a tout un travail de découpage de mousse 3D. Alors, on va utiliser les petites mousses 3D et on va mettre de la mousse 3D à l'arrière des petites fleurs. Donc, je sais que celle-là, on va commencer par celle qui est au fond. Voilà, ici. Et on va faire du découpage de mousse 3D. Alors, donc, c'est le moment d'utiliser ces petits ciseaux et de couper en deux. Alors, on utilise les repères des pointes des je ne sais pas comment ça s'appelle comme forme mathématique, des hexagones peut-être. Et on va venir positionner quelques mousses 3D qui vont donner justement cet effet de hauteur. Alors, on en met ici. Voilà. On va en couper un petit peu. Alors, sur cette fleur-là, ce serait bien si je pouvais en mettre un là. Voilà, et un ici. Elle est où ma coupe? Oh oh, elle est là. Voilà, elle s'était cachée. Voilà. Oh, donc maintenant, on va retirer la pellicule de protection. Comme c'est tout petit, c'est vrai que ça reste dans les ongles. J'en ai pas beaucoup, mais ça reste quand même. Donc celle-là, on a dit qu'on la mettait un peu en haut. Voilà. Hop. Voilà. On va s'occuper de celle-ci qu'on mettra sur la gauche tout à l'heure. Alors là, toujours pareil, il faut que je fasse du découpage. Bon, je vais essayer de faire
pour en avoir plusieurs d'un coup. C'est vrai qu'avec l'outil touche à tout, on positionne vraiment là où on veut. Pas la peine d'en mettre vraiment partout, juste quelques-uns pour que ça puisse tenir sur la carte et que ça donne le volume souhaité. Voilà, encore une en haut. Ici, ça a vraiment été un bon plan quand ils nous ont sorti ces petites mousses 3D, parce que ça permet vraiment d'en mettre sur des endroits tout petits sans avoir à faire 50 millions de découpes. Je vais en mettre un peu sur la tige ici. Voilà. Celles qui ont besoin, j'ai comment dire, je peux vous envoyer la liste des promos qui sont en cours, des produits qui sortent du catalogue qui va se partir fin juin. Ils ont ça, il y a un certain nombre de produits qui sont en promotion à moins 50%. Si vous avez loupé un truc qui vous plaisait vraiment, c'est l'occasion. Voilà, et maintenant on va faire la dernière fleur. Je pense que là on peut en mettre un entier. Et il va falloir qu'on fasse un peu de... Ah, j'ai encore un petit ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas... On continue les découpes. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu un jeu de patience, mais on y arrive. Hein. On peut aussi utiliser les petites bandes, mais là. Voilà. Et on aura fait un peu le tour. Vous avez compris maintenant pourquoi je l'appelais carte blanche. C'est pas qu'on faisait ce qu'on voulait, mais c'est que la carte était vraiment blanche. On vous joue simplement sur les reliefs pour donner un petit peu plus de... Faire que ce soit peut-être un petit peu moins blanc, moins blanc. Allez, on va mettre celle-là. Voilà. Bon, on y est presque. Super. C'est vrai que de toute façon, si on ne fait pas des compliments soi-même, qui vous en fera? Bon, c'est un peu facile. Alors, j'ai utilisé les pensées pour toi parce que je trouve que dans ce set, puis on ne pense jamais. Hein, c'est le moment de penser à quelqu'un, d'envoyer des bonnes pensées, des bonnes ondes. Alors, je récupère... Une chute de papier blanc et je vais tamponner. Là, je vais utiliser le pierre rose poli, ce que j'aime bien appeler le PRP. Voilà, hop, on tamponne délicatement et on vient le centrer sur cette bande de papier. Voilà.
Ce sera la seule touche de couleur sur cette carte. Ben maintenant, il va falloir attendre. Je vais nettoyer mon tampon, ce serait plus prudent quand même. Parce que je me connais, je suis capable de faire des grosses bêtises. Et pour ça, on va utiliser maintenant l'étiquette qui est là. Voilà, la découpe étiquette pour mettre notre petit sentiment. Oh, ma tendinite. Voilà, hop, on reprend la Big Shot, l'étiquette, et on va refaire notre sandwich. Quand c'est pas loin de, en matinée comme ça, ça ferait une belle pause. Vous allez voir, la découpe est vraiment super sympa. Hop. Ça n'a pas bougé, c'est génial. Et on tourne à la manivelle. Encore un petit peu. Ah ben voilà, elle est sortie. Regardez, hop, et voilà. Ça fait vraiment, enfin, moi je trouve que ça fait une très très belle étiquette. Et ça va encore donner du relief. Et des zones d'ombre à notre projet. Voilà. Et on viendra la mettre ici. Voilà. Alors, vous allez remarquer que ici, j'ai un certain nombre de... Les queues des fleurs donnent de la hauteur. Donc, si je veux pouvoir récupérer la hauteur, il va falloir que je mette une seule mousse 3D ici. Et de l'autre côté, j'en mettrai deux. Et là, j'ai utilisé les grosses mousses 3D. Voilà, donc je vais en mettre. Alors, je vois, c'est ici une. Voilà. Et pour récupérer la hauteur, je vais en mettre deux de l'autre côté. On enlève la pellicule avant de mettre la seconde mousse 3D. Mais avant de la coller, avant de coller mon sentiment sur ma carte, je vais coller ce que je viens de réaliser, je vais coller sur la base de carte. Donc, je reprends ma base de carte. Voilà. Hop. Je m'assure que tout est bien. Ah oui. Alors, question de vocabulaire, c'est vrai que ça, c'est un plioir. Mais, pour le bingo, pour faire le bingo complet, il faut utiliser un plioir à gaufrage, c'est-à-dire un outil comme celui-ci, comme celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est un plioir à gaufrage ou à embossage. Donc, le bingo total, c'est quand il y a aussi un coup de plioir à gaufrage. Ça, c'est pour une copine qui dit, mais ah, avec votre vocabulaire, c'est vrai qu'on a un vocabulaire assez particulier. D'un autre côté, quand j'étais monitrice de voile, je vous assure qu'il y avait aussi un vocabulaire spécifique. Chaque métier, chaque loisir a son propre vocabulaire. Et des fois, on s'en mêle les pattes. Voilà. Voilà, on s'assure que ce soit bien collé. Et maintenant, on va pouvoir y mettre l'étiquette. En tout cas, merci d'être là pour un dimanche, surtout un dimanche de fête des mères. Mais bon, j'avais pas d'autre moyen, j'avais pas envie de vous lâcher, donc j'ai quand même voulu faire un live, et puis c'est l'occasion de fêter aussi les mamans.
Voilà, écoutez, sincèrement. Donc celle-ci, j'avais utilisé le sauce succulente. Oh non, c'est soyeuse succulente comme couleur. Et là, je l'ai faite dans les tons plus roses, de façon à pouvoir varier un peu les plaisirs. C'est même pas celle-là que j'avais utilisée. Là, celle qui est en volume, elle est là, voilà. Donc, soit complètement à plat, soit avec un petit peu de volume et avec une autre couleur. C'est vrai que ça donne un peu plus, c'est un peu plus vivant là-dessus. Bah, écoutez, il me reste à vous souhaiter vraiment une très très belle fête des mères. Prenez du plaisir avec ceux que vous aimez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à mercredi soir pour un autre projet. Plein de gros bisous, à très vite. Au revoir.